j'ai toujours adoré les livres, vraiment, aussi loin que je me souvienne, je lisais énormément. Et puis avec l'âge, je me suis intéressé aux éditions plus rares. Et puis l'objet livre ancien me fascine. Donc dès que j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai commencé à courir les bouquinistes et à acheter des livres. C'est des ors qui brillent depuis le 18e, 17e, du cuir, voilà. Il y a des gens qui adorent l'objet livre en fait. Parce que c'est. Quand on a un livre du 18e, il est du 18e, c'est pas un faux. Quand on a un tableau, c'est peut-être pas bon, hein. Mais là, il y a OK. C'est sûr, on est au 18e ou au 17e. Moi, c'est les livres de voyage, les livres qui ont été importants dans l'histoire de la pensée, enfin, tous les philosophes, enfin, des choses assez classiques. Mais moi, ça me. Pierre, les livres du 16e, moi, ça me fait. Je voyage, hein. Je feuillette un livre du 16e. Pour piquer quelques gravures, on se retrouve transporté, quoi. Il y a un livre de voyage que j'adore, c'est La cosmographie de TV, qui est un livre merveilleux. C'est quelqu'un qui a vraiment voyagé et qui faisait des croquis. Bon, des fois, il était un peu fantaisiste quand même dans ses descriptions, mais il y a quand même des choses merveilleuses, quoi. Il est d'ailleurs au prytanée militaire de la Flèche. C'est merveilleux. Les Indiens d'Amérique, on voit des toucans, enfin, on voit plein de choses. Non, je sais que c'est une chance que j'ai. Je sais, parce que j'ai fait d'autres métiers. Et des choses, des fois, c'était bon. Mais là, non, je fais vraiment que ce qui me plaît.